Alors, plus précisément, dans le cas de Washington, alors, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On dit que tu es un salis à l'autre. Pour la Corée, on a un peu de bonheur. Pour la Zoto, on a un peu de bonheur. Pour la bonheur. Alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un peu de bonheur. Sinon, si tu es un peu de bonheur, tu es un peu de bonheur. Pour pas comprendre, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, à Pino Moko, pas pour la Coréenne, Coréenne, à Pédi. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face à un nouveau numéro. Je reçois aujourd'hui un enseignant des universités, ancien journaliste, avocat aujourd'hui. Nous allons parler de l'union sacrée, de tout ce qui va avec, la position aujourd'hui de la MUCA, la position d'ensemble, et puis la nouvelle vague de l'opposition aujourd'hui. Est-ce que c'est Kabila dans l'opposition, c'est Fayulu? On discutera avec quelqu'un qui n'a toujours pas sa langue dans sa poche, ce Laurent Onyemba, que je me fais l'honneur de recevoir en premier en 2021. Laurent, comment allez-vous? Ça va très bien, cher Christian Bossembe. Très beau, très bien habillé, comme toujours d'ailleurs. Bon, merci. Hein. J'ai aussi aimé ton look, c'est un peu comme le look de Cheikh Anta Diop, mais bon, je comprends parce que vous êtes un grand homme d'esprit. On essaye de faire mieux samedi, on se détend. Mais Laurent, d'abord, votre position sur l'union sacrée. Il y a eu tellement, mais alors vraiment, de réactions de part et d'autre. Pour certaines personnes, union sacrée veut dire FCC bis. Pour d'autres, union sacrée veut dire partage du gâteau. Quel est le sens que vous donnez à l'union sacrée? D'abord, je vous remercie énormément, Christian. Je ne me lasserai jamais de saluer le travail que vous faites. Merci. Et vous savez que c'est pour moi, d'ailleurs, une obligation que de saluer le travail que la jeunesse fait dans ce pays, et particulièrement vous-même. Mmh. Parce que, tu sais, à force d'apprécier ce que vous faites, ça commence à ressembler à une sorte comment dirais-je, le mot ne vient pas, ça devient normal. Ouais. Alors qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut t'encourager. Ouais. Les gens voient de toi autre chose que ce que tu fais comme travail, il faut te saluer maintenant. Ouais. Et tu sais bien que je n'ai pas, tu l'as dit, je n'ai pas ma langue en poche, j'aime saluer l'élite et les étoiles de la. J'ai beaucoup apprécié les tweets que vous m'avez fait. Ça m'a fait un grand plaisir, un grand honneur. Bon, écoutez, Christian, c'est tout ce que je peux donner. C'est construire ton identité qui est déjà érigée. C'est en fait encourager modestement ce que tu es. Moi, pour moi, l'union sacrée, c'est saluer la volonté chef de l'État. Christian, il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Dans notre pays, il s'est érigé une mouvance autour de Kabila. Tel qu'il n'y avait plus de boussole, il n'y avait plus d'avenir pour ce pays. Et un jour, il y a une volonté politique organisée par tous les leaders, okay, en vue d'aller de façon organisée à une élection qu'on savait perdre d'avance. Personne n'avait, dans une alchimie politique quelconque, pensé ou rêvé qu'un candidat de la MUCA pouvait battre Chadari. Alors qu'on était conscient que sur le terrain, Kabila n'est pas aimé. Tous ceux qui sont autour de lui lui disent des mensonges parce que Kabila a passé tout son temps, à un moment donné, à n'écouter que des gens qui veulent faire avec lui comme une sorte de masturbation intellectuelle. Et j'ai la garantie qu'il comprend aujourd'hui que beaucoup de gens qui lui ont dit « tu es aimé, tu es ceci », eh bien, il a compris que ces gens étaient des menteurs. Et on savait que absolument Chadari allait perdre. Et moi, je l'ai dit, je suis heureux dans ce pays que 11 fois que j'ai dit des choses, ça s'est réalisé. Depuis que j'avais annoncé la démission de deux juges jusqu'à aujourd'hui, même la nomination de l'informateur,
j'étais le seul et l'unique à avoir dit que si Moïse Katumbi refuse et que Bemba est indisponible, la personne clé pour être informateur, ça serait Bahati, routier de la politique et l'expertise. Et donc, pour moi, l'Union sacrée, c'est en fait cette vision qu'a eu le chef de l'État de dire il est à un moment donné une possibilité de construire une république sur des valeurs. C'est des valeurs de démocratie, les valeurs d'équité, les valeurs de justice, les valeurs sociales, la redistribution équitable de nos ressources. Parce que j'ai l'impression, comme quelqu'un a dit, nous ne pouvons pas construire une république sur une civilisation de l'oralité. On ne peut pas, comme les gens le disent, les gens l'ont dit hier, FCC c'est un esprit, et vous avez vu que le servile intellectuel ont pensé qu'il faut dire encore la Mouka, c'est une idée, c'est le peuple retrouvé. C'est cosmétique comme dialectique intellectuelle de dire que la Mouka c'est une idée, la Mouka c'est le peuple organisé. Ça n'existe pas en français, même en droit, et j'ai dit c'est des gens qui sont comme dans une sorte de rupture de réflexion intellectuelle. Alors moi, j'ai dit au président que je vous propose que, parce que je sais que les porteurs de l'idéologie, de la conception ou bien de l'emballage, de la philosophie de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Et ça, il faut s'incliner quand on est républicain. Et moi, je dis que tous les indicateurs étaient au rouge. Et pour moi, l'Union sacrée, c'est en fait cette philosophie construite autour de la personne de son Excellence, monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions construire une république autour des valeurs. Ça signifie que Oza Moïbi, Balongolio, Oza Moutou, Ojera, qui tu as monté tes limites, Balongolio. Et c'est à ce moment-là que je salue la réflexion de Matata Ponyo. Parce que tu sais la différence entre les incantations et la science, c'est au niveau de la méthodologie. Matata, les gens ne l'ont pas compris. Quand Matata dit « Union sacrée égale FCC bis », c'est au même moment une interpellation à Kabila pour dire « Je t'avais dit ». Matata est la seule personne qui n'allait jamais aux réunions du FCC ni du PPRD. En fait, il rappelle à Kabila que l'échec du FCC, c'est en fait ta propension à vouloir écouter des acclameurs. Au même moment que l'alerte fait du crédit, tu reçois tout le monde. Tu as vu qu'il y a des gens, même si on a dit non, c'est pour tout le monde, il y a des gens, quand ils y vont, les gens, même les muets parlent. On dit non, non, président, Union sacrée, oui, mais pas celui-là. Ça signifie que, autrement, construisons l'Union sacrée autour des valeurs. Pas des gens, pas les voleurs d'hier. Première précision qu'il faut mener, l'Union sacrée, ce ne sont pas des personnalités politiques. Ça va être la masturbation politique. L'Union sacrée se construit au Parlement. Mais les indicateurs de responsabilisation au niveau de la chose publique, parce que l'Union sacrée doit aboutir à un gouvernement de l'Union sacrée, et que le Parlement étant la radioscopie d'identification des forces politiques, tout doit partir du Parlement. Et c'est à ce niveau-là que vous avez vu l'honorable Moïse Dzang dire à un moment donné que non seulement que nous ne voulons pas que l'Union sacrée soit un fourre-tout, une poubelle où on vient jeter tout, mais aussi la responsabilité de la responsabilisation acceptée à la tautologie dans la gestion de la chose commune doit partir à partir des forces politiques au Parlement. Et les forces politiques ici, c'est en termes de pondération des députés. Il n'y a pas un autre indicateur. Ce qui peut tuer l'Union sacrée, c'est des propensions à voir un groupe d'individus penser qu'eux ont gagné. Et moi, je suis heureux de savoir que Félix Tshisekedi n'est pas dans la logique de dire il y a un groupe de gagnants et un groupe de perdants. C'est à ce titre qu'il accepte tout le monde. Mais attention, il ne faut pas faire l'Union sacrée avec le sexe des anges. Parce que l'Union sacrée, à la fin, quand j'entends les gens dire c'était les démons d'hier, sont devenus des anges d'aujourd'hui, l'enjeu, vous le dites, est parlementaire. Mais est-ce que l'Union sacrée a une âme? Est-ce que l'Union sacrée a un esprit? Le corpus, on l'a vu. C'est les hommes, les femmes, tout ça. Mais l'âme est là, et l'esprit de l'Union sacrée. Tu sais, l'Union sacrée a une âme, a un esprit. L'esprit, c'est la volonté déjà de vivre ensemble. C'est ça qui est fondamental. Et ce qui a toujours manqué à des institutions qu'on appelle l'État, c'est cette propension à vouloir vivre ensemble. Les idées naissent et disparaissent. Mais il faut la volonté. Et à partir du moment où la personne qui incarne l'État, qui incarne la nation, qui incarne l'armée, la justice, bref, le souverain primaire est incarné par la capacité du président de la République à concevoir une identité. Ici, il ne faut pas mélanger la conception du chef de l'État comme idée, comme garant de la nation,
à la politique du gouvernement qui est menée par le Premier ministre. À partir du moment où dans le chef de file, il y a une volonté à vouloir changer de pôle, de physique de pôle pour dire « notre peuple souffre ». Comment vous pouvez consommer ces paradigmes qui veulent que nous soyons les scandales géologiques, encore que c'est des mots que nous avons trouvés dessus, tu connais mon point de vue, hostile à toutes les phrases qu'on a trouvées. Scandale géologique, scandale économique, scandale ceci, qui n'est pas en phase avec ce que nous sommes en réalité. Je me demande si on n'a pas mis ça dans les ouvrages pour nous endormir, en disant, écoutez, si on dit à ces gens-là que vous êtes sûr de l'or, du diamant, cassiterite, cobalt, ils vont moins travailler, ouais. Ils vont croire qu'un jour, il y aura de l'impulsion, c'est comme ça qu'on a multiplié les églises. Non, non. Il y a l'âme de l'Union sacrée. Mais cette âme-là a besoin de porter le corps. Dans l'homme, il y a la trilogie existentielle. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Dans la personne humaine, je vous le dis. Et donc, ici, il ne faut pas penser qu'on va confectionner du fait d'une machine cet esprit. L'esprit se trouve dans la volonté du président. Maintenant, les acteurs doivent adhérer, okay, à l'esprit. Mais adhérer à l'esprit signifie quoi ? Dans la propension à reproduire l'esprit, parce que seul on ne peut rien, ça doit partir des indicateurs. Et les indicateurs ici, c'est des valeurs. Ça, c'est nouveau là que j'ai dit que j'ai donné raison à ma tête à Pogne, parce que si vous dites Union sacrée, très bien. Ok ? Mais on va attendre l'Union sacrée pendant une année, et un jour après, le taux d'inflation devient immaîtrisable. On va attendre l'Union sacrée, mais on ne peut plus payer les salaires régulièrement. On va attendre l'Union sacrée, et plusieurs indicateurs sombres, tout de suite, au même moment que c'est lui l'esprit et la lettre de l'Union sacrée, le président de la République, au même moment qu'il va en être comptable devant l'histoire et devant la nation. Et ce jour-là, autant qu'aujourd'hui, les gens quittent Kabila, on les quittera. Très bien. Mais alors, revenons sur les fondamentaux. Union sacrée, est-ce que ça ne sera finalement pas une prime à la délinquance? Comment le chef de l'État va-t-il sanctionner ses propres partenaires? Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus deux autorités morales. Une seule autorité, ça sera Félix Tshisekedi. Mais comment ça va se passer? Ceux qui ont spolié, ceux qui seront cités dans les rapports mapping, alors que j'ai vu dans le rapport mapping, j'ai vu le nom de Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas si c'est une fausse copie ou une vraie copie, on ne sait pas tous. Mais comment ça va se passer si la justice internationale réclame, ou bien la justice nationale réclame des gens qui se trouveraient en bonne position dans l'Union sacrée? Non, écoutez. La vraie femme qu'il faut épouser à l'Union sacrée, ce sont les députés. Moi, je suis de ceux qui ont toujours décrié le fait que les députés ont été nommés. Moi, Onyemba, je suis un élu du peuple. Je connais, j'ai les bulletins chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, je connais le nombre de voix que j'ai eues. Je connais les aînés qui m'ont arraché la place à cause de ma franchise et de ma capacité à épouser les valeurs. Tu sais, pour ton indiscrétion, quelqu'un m'a dit un jour que, Laurent, tu sais que tu fais la peau du ministre, mais que on n'admet pas à l'UDPS ton discours de toujours faire des clins d'œil à certaines personnes du FCC. Un autre m'a dit un jour, mais toi tu te réclames katoumiste, mais tu ne vantes que Matata Ponyo. Maintenant, le jour où Katoumbe est arrivé à Kindo, a vu ce que Matata a fait, Katoumbe est revenu pour dire, je salue le travail que Matata Ponyo a fait à Kindo. J'ai posé la question à ces mêmes personnes. J'ai dit, mais pour votre compte, pourquoi vous n'avez pas interdit à Katoumbe de ne pas vanter ou saluer le travail que Matata a fait? Autant que j'ai posé la question à celui qui m'a dit que ton discours est accueilli à l'UDPS, de lui dire, aujourd'hui que les gens de l'OCC vont à l'Union sacrée, pourquoi vous ne m'interdisez pas? Parce que si moi je parle, par exemple, aujourd'hui de Jean-Lucien Boussa, est-ce que ça n'aura plus de sens? Mais le président demain à l'Union sacrée a besoin de valeurs. On a parlé de Célé Yalagouli. Le président demain a besoin de la gestion efficiente des finances. On en a besoin. J'ai parlé de Kaboula et sur votre plateau, les gens m'ont tout dit. Le président en aura besoin demain. Mais Célé dans l'Europe, le président n'aura jamais besoin de Célé. Je vous dis ceci, je vous le répète et je vous mets au défi que le président de la République aura besoin des garçons et des messieurs comme Célé Yalagouli parce que la gestion des finances au niveau de l'Union sacrée va être et doit être aussi efficiente qu'il faut quelqu'un qui a des valeurs. Mais Célé n'est pas la boussole. Dire non. Il n'est pas la boussole. Donc, il y a beaucoup de gens intelligents plus que Célé. Comment? Il y a beaucoup de gens intelligents. Je ne suis pas dans la guerre d'intelligence. Ah, je suis dans la guerre managériale, dans la guerre de la pureté en termes de gestion. Et je vous dis que dans ces pays, par le temps qui court, les personnalités qui dégagent des énergies de gouvernance et de bonne gouvernance, comme il y a la Yalagouli, ne courent pas les rues. Et je vous mets au défi, vous allez voir le rôle que Célé peut jouer demain si on décolore la politique des camps. Maintenant, je reviens à votre question fondamentale. La question fondamentale, vous l'avez posée, rapport mapping. Moi, je dis
que je n'ai pas peur. Parce que moi, je me dis, il n'y a pas d'État qui fonctionne sans justice. Partout au monde où on a imposé une révolution, pardon, ça n'a pas fonctionné. Christian, il n'y a que la justice qui élève une nation. Si donc, vous êtes partenaire des présidents à l'Union sacrée, et que vous pensez que ça va, on va repasser, repenser, et même effacer votre passé criminel, eh bien, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Mais le roi, et moi, vous savez que, d'abord, je vous donne une information en direct. Nicolas Faye, un journaliste, a porté plainte contre moi parce que je lui ai dit que tu insultais le président. Et j'avais dit à Roger Lumbala que son passé était un passé criminel et qu'un jour, il en répondra. Bon, je suis heureux que le parquet ait déjà classé le dossier sans suite. Je me réserve aujourd'hui le droit de citer au pénal M. Nicolas Faye pour ses déclarations. Et il m'a traîné en justice de façon, je l'ai dit, diffamatoire. Vexatoire et téméraire. Vexatoire et téméraire, mais ça, ce n'est pas ici qu'on va, on va en parler, mais je me dis que aller à l'Union sacrée ne veut pas dire effacer tout ce que les gens ont fait. Alors, pas... quelque chose que les gens valent, parce que moi, je suis de ceux comme Denis Mukwege qui prônent une justice. Et la justice doit être là. Et ce n'est même pas un cas isolé où la France applique la compétence universelle, parce que la compétence universelle s'applique dans un contexte bien défini. Il faut, au regard des conventions internationales, des traités, que la France a été dotée de la compétence universelle et ça ne peut se déclencher que si les bourreaux et les victimes à base d'une plainte sont sur le territoire français. Ça, c'est un cas isolé. Nous voulons d'un tribunal pénal, d'un tribunal spécial pour le Congo, en vue que chaque chef de guerre réponde des actions qu'il a posées. Alors, Laurent, et c'est l'unique manière. Et donc, l'Union sacrée ne va pas être une blanchisserie. Tous ceux qui y vont, et c'est même je termine par là, c'est même le challenge qu'a le président. La physionomie du premier gouvernement d'Union sacrée sera soit la photocopie de l'échec de l'Union sacrée ou sa réussite. Si ceux qui pensent que couvrir tout ce qu'ils ont volé sous 18 ans de Kabila, c'est aller à l'Union sacrée, ou bien aller croire que aller à l'Union sacrée, c'est aller à nouveau renfler un poste ministériel parce qu'on a des députés, je vais alors opter pour la politique de Tshisekedi qui a dit pas le gouvernement des chefs de parti. Il a appelé ça Yann Divé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que il faut parler de cette union sacrée, est-ce que ce n'est pas le sacre de la transhumance? Le matin, on se réveille tshisekediste. À midi, on dîne kabilisme. Et le soir, on dort lumumbiste. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le sacre de la transhumance? Je suis totalement d'accord avec vous. C'est à ce niveau-là que moi, je me suis dit, le président a commis l'erreur stratégique dans la conception de la politique de l'Union sacrée. Il pouvait uniquement se limiter à ne travailler qu'avec les députés. Et je pense aussi. Parce que je ne sais pas une personnalité comme Gabriel Mokia. Qu'est-ce qu'elle vient faire à l'Union sacrée? Mais qui... S'il te plaît, je ne sais pas. Je ne sais pas quelqu'un qui a un parti politique qui date de 30 ans, qui n'a jamais eu un député provincial, ce qu'il vient faire à l'Union sacrée. Et il est à longueur de journée en train de parler du président. Dans sa voiture, il met la photo du président de Maman Denise. En fait, il utilise la casquette du président pour des influences sociales. À partir du moment où la confection de cette politique ou de l'applicabilité de la politique du président ou de l'idée qu'il a eue de construire des valeurs en vue de sortir notre peuple des paradigmes passés, c'est fait au Parlement. Le président n'avait pas besoin d'avoir 300 députés. Le président avait uniquement besoin d'une légère majorité, 260 députés, 210 députés, pour protéger sa majorité et construire de nouveaux ou de nouvelles évidences de gestion. Il y a eu une erreur de casting au niveau de l'emballage de l'Union sacrée. Et ça va être quelque chose qui va rattraper le président. Demain, quand ces gens qui ne pèsent pas politiquement vont venir, en croyant qu'ils vont être mandataires, parce qu'ils parlent beaucoup à la télévision, parce qu'il a une grosse caisse, il est habitué à voler, il a 50 copines, il doit nourrir une cinquantaine d'enfants, ils n'auront pas de responsabilité, ils vont commencer à faire des déclarations comme quoi ils quittent l'Union sacrée et ça va entamer l'esprit que nous sommes censés protéger nous tous. Et c'est comme une prime. Moi, je pense que tout ce que nous voyons là est cosmétique. Il ne fallait pas que le président travaille avec ses évidences. Parce qu'il faut
Et les pièces qu'il y a dans ça, c'est difficile de trouver. Si un député a quitté hier les pays perdus, quelle est la garantie que vous avez, ok, que demain il ne va pas quitter l'Union sacrée? Parce qu'alors on va aller vers les plus offrants. Et vous avez vu dans un pays sérieux, quelqu'un qui a la casquette d'un député national, même si c'est ironique, sortir à la télévision et dire, moi j'ai pris 15 000, moi j'ai pris 20 000 dollars pour aller à l'Union sacrée. Il y a même des gens qui ironisent en disant, à cause de la Jeep Ango. Mais Christian, cher ami Bossembe, nous avons étudié pour représenter notre peuple. La crème intellectuelle, la jeunesse agissante, elle est là. Il est possible, alors moi je dis au président, si le problème c'est cette transhumance politique, alors l'unique voie qui reste au président, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais parce que finalement les députés sont là. Ils sont députés, ils n'ont pas besoin d'autre poste. Mais lorsque l'Union sacrée tourne autour de partage de postes, c'est-à-dire les députés vont devenir des ministres, et ceux qui étaient en guillemets des personnalités, comme vous le dites, seront des mandataires, alors on n'aura pas résolu le problème. Non. On restera dans la même hypothèse. Non, attention, il y a une double dimension qu'il faut considérer. Oui. La première dimension qu'il faut considérer, ce n'est pas cette... Je vois l'intelligence de votre question. Et je sais que je te revois en plateau académique et je sais pourquoi tu me renvoies à la face de cette question. Je vois. L'important, ce n'est pas de dire que les députés vont devenir des ministres. Non, non. Il y a un groupe de députés qui sont partis du FCC. Ceux-là n'ont pas besoin de ministres parce qu'ils n'ont pas un cadre organisé. Mais les députés qui sont... Par exemple, ensemble, je donne le cas de Moïse Katumbi. C'est plus ou moins 70 députés organisés qui se reconnaissent encore. Hier, ils étaient encore en réunion, avant que Moïse Katumbi, que je salue, qui a quitté ça, et son conseil spécial, Salomon Skadila, n'aille voir le président pour discuter sur les contenus et les engagements que nous devons prendre, parce que la responsabilité politique est à ce niveau-là. Ceux qui ont encore un guide et un représentant, la discussion se mène à ce niveau-là. Mais je veux encore dire à ces gens qui vont participer à ces discussions qu'il ne faudrait pas qu'un groupe de députés se revendique par rapport au fait qu'ils sont députés, ils ont combattu, ils doivent être récompensés. Non, non. C'est beaucoup plus facile de discuter avec les grands ensembles. C'est comme ça que j'avais dit, quand les gens m'ont dit que les députés vont perdre leur mandat, je leur ai dit, j'ai fait ma thèse modestement sur la question des partis politiques. Un groupe... Un regroupement politique ou un groupe politique, ok, ne délinque pas, ne peut donc pas quitter son parti. Si le chef d'un regroupement politique, encore que là aussi il y a une violation constitutionnelle, je le dis, je suis en train de l'écrire, la constitution congolaise, dans son article 6, laisse la capacité à aller au suffrage qu'aux partis politiques. Les innovations introduites par toutes les lois électorales, les trois dernières lois électorales, et même l'article 101 de la constitution, voilà, sont en violation de la constitution, ouais. Et c'était une réponse à la volonté d'un groupe d'individus à vouloir créer cette histoire de seuil et mettre le seuil comme conditionnalité d'accession à un mandat ou bien à une prime électorale partait de cette dimension-là. Ça, c'est un débat très technique. Beaucoup de gens ne vont pas y accéder. Mais moi, je me dis que ceux des députés qui sont organisés autour d'une autour d'un regroupement, autour d'un leader, on discute avec le leader, pas pour se donner une prime justement à ce qu'ils ont fait hier, ok, mais pas que c'est organisé. Mais tu sais les drames que je viens de l'avoir tout à l'heure, quand le chef d'État, ce que j'ai entendu, a reçu le premier ministre, et plutôt le président de l'Ensemble et le président du MLC, il leur a dit que le groupe le plus important à l'Union sacrée, c'est le FCC. Alors, nous nous posons la question. Est-ce que on va, les gens qui ont fait ce que vous appelez transhumance, vont s'organiser pour nous identifier une personne qui va être l'interlocuteur, ou bien ils vont s'émousser dans la force des députés dont le quota revient à l'UDPS? Mais le cas est très technique et très politique. Le chef de l'État en soi, parce que j'ai suivi des gens sur votre plateau qui ont dit que le chef d'État ne peut pas concevoir une idée, au même moment, il n'a personne qui surveille l'idée au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui met en pratique au niveau du gouvernement. Non. Ça, c'est une réflexion dangereuse. Parce que vous ne pouvez pas concevoir aujourd'hui et faire consommer à l'opinion que le problème de le président de la République qui est de l'UDPS, même si un chef d'État n'a pas de parti politique, mais jusqu'à preuve du contraire... Il est de l'UDPS, il vient de l'UDPS. Ok. Comme il est chef de l'État,
qu'à l'Assemblée nationale, il y ait le président de l'Assemblée nationale qui vienne de l'UDPS. Ou bien que vous puissiez rêver que le Premier ministre vienne aussi de l'UDPS. Ça, c'est une alchimie politique inexplicable. Mais il y a des scénarios comme quoi le président, le Premier ministre sera soit de l'UDPS, et si le président de l'Assemblée nationale n'est pas de l'UDPS, alors le Premier ministre doit être de l'UDPS. Si le Premier ministre est de l'UDPS, alors le président de l'Assemblée nationale sera quelqu'un d'autre. Comment ça va se passer? Je ne pense pas que ça peut se passer de cette manière. Alors dites-nous, l'UDPS ne va pas du tout laisser. Parce qu'en réalité, je donne l'exemple. Au niveau de l'Union sacrée, la première force politique la plus organisée à l'Union sacrée, c'est la force politique de l'ensemble de Moïse Katumbi. Ce n'est pas la force politique de Bahati Lukwebo? Non, non. Il faut, mathématiquement donc, la plateforme la plus importante, ou bien le regroupement le plus important, c'est le regroupement de l'ensemble de Moïse Katumbi. Je crois suivi du regroupement de Bahati Lukwebo, et puis suivi du regroupement de Jean-Pierre Bemba, et puis les transfuges du FCC n'ont pas de regroupement, et ont adhéré à la philosophie. Sinon, ils sont nombreux. Hein. Non, ils sont nombreux, mais eux ont adhéré à la philosophie du président, et toutes les personnes, et donc, on ne peut pas les considérer comme un ensemble, mais, ou un groupe. Mais il y a d'autres qui sont venus après la signature, après la composition déjà. Tant mieux, quelle que soit la manière et le moment où ils sont venus, rassurez-vous que le regroupement le plus important ici, c'est le regroupement de Moïse Katumbi. Tout doit se faire au prorata justement de la pondération politique. Oui, mais comment ça va se passer? Parce que vous n'allez pas apprendre tout. On ne va pas dire parce que Ensemble est un groupe assez important en termes de députés que vous prendrez et le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Non, non. Vous n'allez pas tout prendre. Non, écoutez, nous ne tombons pas dans le piège de partage de pouvoir au sens kabyliste. Et je ne pense même pas que Moïse Katumbi ait la propension à dire qu'il va tout prendre. Parce qu'à l'origine, quand il est venu, il n'est pas venu chercher le pouvoir. La preuve, c'est que vous ne verrez jamais Katumbi au gouvernement. Vous ne le verrez jamais. Vous dites jamais. Je dis ceci. Vous ne verrez pas Katumbi au gouvernement. Même pas Premier ministre. Je dis ceci. Vous ne verrez pas Katumbi au gouvernement. Alors, si nous partons de l'hypothèse sur laquelle c'est qui est membre du gouvernement, vous répondez à la question parce que vous connaissez le droit aussi que moi. Je dis, vous ne verrez jamais Katumbi au gouvernement. À moins qu'il n'ait pas écouté mes modestes conseils. D'accord. Maintenant, nous sommes venus accompagner une idée parce que nous savions que le peuple souffre. Et le chef d'État a eu l'idée géniale de dire « Construisons une autre gouvernance. » Mais parce que nous sommes venus pour accompagner le chef d'État dans sa philosophie de dire « Construisons une autre gouvernance », ce qui nous importe, ce n'est pas d'occuper telle ou telle responsabilité. Mais si le chef d'État estime que vous m'avez accompagné dans cette philosophie et que vous avez une pondération politique importante dans ce combat, vous prenez telles responsabilités, nous les prendrons. Mais nous n'allons pas non plus accepter de voir qu'il y a un camp, notamment ceux qui sont autour du président, qui pensent que c'est une affaire de l'UDPS. Je ne vais pas faire la langue de bois. C'est une affaire de tous les Congolais organisés autour du président. Et toutes les responsabilités vont se faire au prorata de ce que vous valez politiquement en termes de pondération au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quels sont les gens, quelle est la stratégie des Katumbi? C'est ce que c'est de prendre l'Assemblée nationale ou la primature? D'abord sur ces points-là. Il n'y a pas, moi, je n'ai pas discuté avec Moïse Katumbi sur la question parce que Moïse Katumbi, je ne suis qu'un membre du parti, modestement. Mais à mon humble avis, Katumbi n'a pas un fétichisme de fonction pour dire « Moi, ce que je dois prendre, c'est le Parlement ou c'est le gouvernement. » Ça doit partir de la discussion avec tous les partenaires. Aujourd'hui, il y a un informateur qui est Modeste Bahati Lukwebo qui a la mission de constater, je crois que la mission va être même beaucoup plus facile parce que ce l'État a déjà réuni ces gens qui ont adhéré à la philosophie. Et donc, Modeste Bahati ne répond qu'à une question juridique conformément à l'article 78 de dire le travail qui m'a été confié est celui-ci, comment on organise ce groupe de députés. Mais la discussion, quand Modeste Bahati Lukwebo va faire son rapport au président, le président appellera ses partenaires au prorata de ce qui pèse comme poids politique. Donc vous nous avez jusque-là pas comment ça va se dessiner. Moïse Katumbi n'a aucune prétention de dire je dois prendre la primature, encore que ce n'est pas un homme qui est attaché au poste. Mais pas lui, peut-être quelqu'un d'autre, ça peut être Laurent, ça peut être quelqu'un de son groupe. Oui, mais écoutez,
Vous imaginez, qu'est-ce que Moïse Katumbi peut attendre d'un Laurent s'il devient ministre, quoi que c'est dans son quota? C'est pour vous dire que ce qui doit militer ici et ce qui nous marque, ce n'est pas nécessairement les gains, ce qu'on tire des responsabilités politiques. C'est ce qui a tué ce pays depuis 60. La politique du ventre dont parlait le professeur Mbata avec François Bayard. Tout le monde est au service du ventre. À quel moment on trouvera des gens qui vont travailler pour la nation? Et le danger qu'il y a dans ce revirement ou dans ce virement politique, c'est qu'en fait, on met de côté les valeurs. Maintenant, toi, Bossembe, qui n'as pas un parti politique, toi qui n'as que le Congo belge qui permet aux politiciens d'accéder à ce qu'ils vont accéder, comment toi, tu vas être au service de la nation? Par ton micro, c'est limité. Alors, à quel moment était la marge de manœuvre du président à dire, en dehors justement de ses poids politiques, j'ai 10 ministères et je peux faire allusion à des intelligences? Et même dans l'autre camp, regarde s'il te plaît, les yeux dans les yeux. Est-ce que tu as oublié que nous sommes, nous, dans ces pays, les pays de Matata Ponyo? Ne fût-ce qu'en termes de rigueur de gestion, nous sommes les pays de Moïse Katumbi, nous sommes les pays de Christian Bossembe, nous sommes les pays de Laurent Onyemba, nous sommes les pays de Mouyembe, de Mukwege. Est-ce que tu ne peux pas rêver un jour d'un gouvernement de garçons qui n'ont aucune redevabilité vis-à-vis des grands groupes, mais qui n'ont de redevabilité que vis-à-vis du peuple? Pour que le peuple mange, combien de nos frères sont à l'étranger, la diaspora, qui souffrent, qui se réveillent? Tu vas à Paris, à Montréal, à Washington, en Belgique, en Allemagne, quand tu entends le bruit, à 4 heures, on a fait de ramasser les poubelles, tu risques de croire que ce sont des blancs. Mais 90%, ce sont tes frères. Quand tu vas dans les banlieues où on a construit des cités, le travail d'échafaudage est une exclusivité de nos frères. Mais ces gens ont acquis une expérience, ils peuvent venir la mettre au profit du peuple. Mais pas qu'ils n'ont pas adhéré à l'UDPS, pas qu'ils n'ont pas adhéré ensemble, pas qu'ils n'ont pas adhéré à l'FDC. Comment vont-ils faire pour donner le meilleur d'eux-mêmes? C'est ça la question. Alors, c'est quoi la physionomie du gouvernement selon Laurent Nyemba? Non, moi, pour moi, la physionomie du gouvernement doit obéir à deux, trois choses. La première chose, c'est qu'ici, il faut absolument que ceux qui vont aller au gouvernement se retrouvent dans la philosophie du président. Deuxième chose, que ce ne soit pas des jouisseurs. C'est comme ça qu'ailleurs, pour accéder à des charges d'État, on doit faire la déclaration. L'intelligibilité de la procédure de déclaration de biens, l'OJAN sait que on ne faut pas prendre la racaille. C'est quelqu'un qui arrive au gouvernement aujourd'hui et il doit acheter une maison le lendemain. Il doit acheter une voiture le lendemain. Il doit chercher une femme métisse parce que c'est la mode qu'on nous a enseigné depuis 15 ans, les dernières années. Il faut des gens qui ont la capacité d'innover, qui comprennent que être ministre, ce n'est pas de l'excellence vide. C'est pour rendre service. Et la loyauté. La loyauté. Tu sais que, Christian, il y a des ministres qui arrivent au bureau à 12h, à 11h et qui quittent le bureau à 14h. C'est comme ça que moi, les gens me reprochent quand je fais allusion à certains amis dont j'ai cité le nom ici. C'est-à-dire qu'ils vous fixent rendez-vous à 12h parce que c'est monsieur le ministre. Vous arrivez dans son cabinet, il est 14h. Tu ne sais pas si tu le verras. On t'apprendra de 7h qu'il a pris l'autre porte, il est parti. Mais il y a des Congolais qui ont de la valeur. Écris aujourd'hui à un ministre, tu dis, monsieur le ministre, je suis congolais, je demande une interview. Tu verras le style ici. J'accuse de réception de votre lettre numéro de telle date. Deuxième paragraphe. Il fait ensuite. C'est comme si dans ces pays, il n'y a pas de garçons qui ont étudié, qui ont de la valeur, qui peuvent proposer autrement. Et donc, vous trouvez des gens comme ça qui viennent faire le copier-coller. On sait que quand tu es ministre du travail privé social, tu vis de mamelle du DG de l'INSS. Il y a une enveloppe qu'on t'envoie nuitamment. Quand tu es ministre des transports, le DG doit prévoir une enveloppe en cascade pour te donner chaque mois. Les gens doivent le savoir. Mais il faut que ça s'arrête. Et dans les entreprises publiques, il y a des cellules des partis politiques. Les PPRD, jusqu'à aujourd'hui, il y a des cellules de PPRD à l'INSS. Il y a des cellules de PPRD au FPI. Il y a des cellules de PPRD à la DGDI. Il y a des cellules de PPRD. Alors,
Comment vous voulez? Là, vous nous informez. Non, je vous dis que c'est vérifiable. Je peux encore vous fournir des images de rencontres PPRD à 20 mai où il y a des drapeaux tels que cellule PPRD, FPI. Celui qui ne vient pas, ne monte pas en grade et puis on trouve des poux sur la tête, on te chasse. Mais ce pays a besoin de garçons sérieux pour aller de l'avant. Tu sais, j'étais déçu quand j'ai appris qu'on a mis à l'examen la personne que le chef d'État a placée à la tête de la coordination de la cellule de lutte contre la corruption. La corruption. Il veut, où on a dit qu'il est bon, sous réserve, je ne veux pas qu'on m'amène encore au parquet, mais vous êtes à la tête d'une cellule comme ça, ou d'une telle coordination. Simple soupçon, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Alors, mais quand on regarde tout ça, je voudrais qu'on quitte la notion, disons la question de l'Union sacrée pour aller prendre notre dernière question, c'est finalement la libération de Eddy Kappen. Bon, il y a beaucoup de gens comme qui ont écrit, Papi Tamba par exemple, il dit que ça relève de l'ignorance de croire que libérer quelqu'un de 20 ans de prison est une chose extraordinaire, parce que même Kabila l'aurait fait. Après 20 ans, Kabila allait faire ça, si Kabila était toujours au pouvoir, en 2020, tout président allait faire ça, selon lui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que libérer Eddy Kappen, c'est que ça change quelque chose, ça a une symbolique? Non, mais je vous interdis de citer des noms quand on... Je sais que je n'ai pas ma langue en poche. Alors, pour qu'on se préserve, nous deux, de ne pas aller demain répondre au parquet, je vous interdis de me citer des noms. Maintenant, je vais à l'essentiel. Allez-y à l'essentiel. Le problème n'est pas Eddy Kappen ou la durée de la prison. Le problème, c'est la volonté du garant de la nation à restaurer tant soit peu une partie de la vérité. Tu sais que Mouzé n'est pas le fils d'un individu. Mouzé était notre président. Et que chaque Congolais qui a intérêt à savoir le contexte dans lequel Mouzé est mort en a le droit et la qualité de saisir même les instances judiciaires internationales. Et ce n'est pas un passé très lointain pour que nous puissions fouiner aussi loin pour le savoir. Le procès d'Eddy Kappen autour de la mort de Mouzé était un procès expéditif, à résidence surveillée et sous commande politique. Si le chef de l'État dit, parce que c'est après consultation que les gens lui ont dit, libère cet innocent, il a libéré. Je ne sais pas qu'est-ce que Papi Tamba vient faire. Il est administrateur dans une société de quoi on fabrique le sucre. Depuis qu'il est parti, qu'est-ce qu'il a proposé pour la relance de l'entreprise? Je l'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux, il est devenu le défenseur de Beverati dans un procès en cours contre Moïse Katumbi. Ce travail ne lui suffit pas, il faut commenter la sortie d'Eddy Kappen. Tu sais, on est dans un pays où on a appris aux gens que pendant tout le temps de Mobutu, si tu veux être un bon Mobutiste, en dehors de danser les chansons, il faut insulter Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, l'histoire rattrape certaines personnes. Hein. Tu ne sais plus fixer son fils dans les yeux. Et tu as vu sous Kabila, si tu veux être un bon kabiliste, il faut insulter Moïse Katumbi. C'est pour ça que moi, je suis à l'aise dans mes bottes. De ma politique, je n'ai jamais insulté. Moi, j'ai vu le président Félix Tshisekedi un jour à Boutour. Je ne sais pas s'il va se rappeler. Il avait son ami qui est aux États-Unis qui s'appelle Pablo. Le président allait à Adnet Image. Je ne sais pas ce qu'il allait y faire. J'ai la photo à la maison. Je dis, président, je suis fier de vous. Ce n'est pas toujours facile de voir un enfant d'un opposant comme vous faire le même combat que son père. Il avait son chapeau et on a posté avec lui. Et à 100 mètres, tu sais celui qui était à côté de nous, ouais. C'était Martin Fayoulou avec un t-shirt blanc. Il était en train de faire la campagne autour de non à la révision constitutionnelle qu'il menait avec le professeur André Mbata. Et Martin Fayoulou m'a vu, je l'ai vu plutôt, je suis parti le saluer. Il m'a donné un lot de flyers et j'ai continué à distribuer. J'étais directeur commercial dans une radio-télévision à Boutour au 4e niveau. Et les gens ont passé tout le temps à croire, même les gens qui ont été nourris par Katumbi. C'est comme ça que tu vois les gens, même les internautes, te disent toujours « Mbongo Katumbi après ça va être quitté ». Moi, je ne m'en moque pas que je sais que depuis que je suis dans le combat de Moïse Katumbi, alors en exil, j'ai parlé de Moïse Katumbi à Kinshasa, sous Kabila, sous Kalev. C'est papa qui m'a acheté une maison.
Papa qui m'a acheté un véhicule, papa qui m'a acheté un costume. C'est comme aujourd'hui, les gens estiment que pour être aussi proche du président, il faut insulter Fayoulou. Moi, quand je tente de parler, c'est pour restituer l'histoire et mettre chacun à sa place. Mais je ne veux pas faire la poterie d'injure. Donc, dire, répondre à Papi Tamba, c'est perdre du temps. Il était temps que Dick Appel, comme père de famille, retrouve sa famille. Et ça, monsieur l'État a posé un acte fort. Quels sont les impératifs? La symbolique, oui. La symbolique, c'est la construction et la confection de l'État de droit qui va cesser de plus en plus d'être un slogan, qui va se confectionner justement à une volonté politique à dire que si tu n'as pas posé un acte délictuel, rien ne va t'arriver. Si tu voles, si tu détournes, tu répondras devant le détention. Est-ce que ça prouve, ça montre, ça accuse que le procès Kabila va être relancé? Non, écoutez, comme procédurier maintenant, parce que nous deux, nous connaissons la loi, le procès s'est terminé de la manière que nous connaissons. Oui. Au niveau de casier judiciaire de ceux qui ont été condamnés, il leur reste une voie, sinon pas, ils ne l'ont pas emprunté. Parce que quand vous êtes condamné de façon définitivement, quand le jugement est confirmé, l'unique procédure qui vous reste au niveau interne, c'est de saisir la Cour de cassation en procédure de révision. Et cette procédure de révision peut permettre qu'on appelle des gens qui vont être cités là-bas comme renseignants, comme témoins, et ça sera l'unique manière, à la face du monde, que la vérité éclate tant soit peu. Mais si Éric Appel n'a pas parlé, vous avez suivi d'autres personnes, comme de quoi un des responsables, la deuxième, qui a dit que nous, nous voulons, pas que je sais que j'ai été condamné injustement, nous voulons la réouverture de ce procès. À ce moment-là, ils n'ont plus, quelqu'un qui a fait 20 ans en prison n'a plus rien à garder. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais le drame de l'histoire, c'est qu'un jour, on peut t'appeler pour dire, Bossembe, tu as crié qu'on a tué le bâtonnier Bossembe, mais nous apprenons que tu as mangé la veille avec le bourreau de ton père. Comment tu te justifies? Mais comment vous... Justement, c'est ça le problème. Tu me vois venir? Oui, je vois venir. Mais c'est justement ça le nœud du problème. Comment ça va se passer? Supposons dans l'absurde que Joseph Kabila soit intéressé, soit appelé. Parce qu'il y a un livre, le livre c'est, je crois, « Tais-toi, non, Jean, ne ment pas, c'est toi qui as tué Kabila, Laurent Désiré ». Il y a un livre comme ça, je crois que c'est le livre de Mirindi, quelque chose comme ça. Un monsieur qui est parti en Suède ou en Suisse, quelque chose, il est là-bas. Il a écrit, et j'ai lu près de 3-4 ouvrages à charge de Laurent Désiré, de Joseph Kabila. Aujourd'hui, si Dick Appen, entre guillemets, dit la même chose, quel sera le statut juridique en ce moment-là, pénal, pardon, de Joseph Kabila? Viendra-t-il comme renseignant? Viendra-t-il comme accusé? Et si ça sera le cas, que dit la loi à ce sujet? Quand on sait que c'est un ancien président, un sénateur à vie. Non, mais écoutez, je dois vous rassurer que, d'abord, du statut du président, il y a d'abord, nous avons une loi sur la question. Exactement. Il faut lire la loi. Encore que j'ai des critiques à faire par rapport à cette loi. Oui, parce que cette loi... Moi, j'estime qu'à chaque fois qu'on légifère, si on ne légifère pas, comme on peut dire, taillé sur mesure, cette loi ne peut pas concerner Joseph Kabila. Parce que si vous lisez certaines dispositions de la loi portant statut d'ancien chef d'État, il y a des dispositions qui renvoient au fait que vous devez avoir, pris le pouvoir de façon démocratique et l'avoir laissé de façon démocratique. Ou en fin mandat. Mais nous nous posons la question, même en droit constitutionnel comparé, la manière dont Joseph Kabila est venu au pouvoir, est-ce que cette manière-là était conforme à la Constitution? Mais est-ce que je réponds non. Est-ce que c'est de cette manière-là dont parle la loi ou la loi parle plutôt des élections? Non, il a fait deux fois l'élection. Non, non. Est-ce que en 2006, ça n'a pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir au milieu. Ok. Il ne faut pas réfléchir au milieu. Mouzé est mort. Moi, j'étais encore au séminaire. Je voulais devenir prêtre. Je salue mes amis, les prêtres qui me suivent à Montréal et en Belgique. Kabila, père est mort, Mouzé est mort. Oui. Après la mort de Mouzé, tu connais le scénario. Oui, les groupes d'individus ont amené Joseph Kabila. Alors, général-major. Un jour, il a prêté serment, il est devenu président. Oui. Il n'a pas été président du Sénat, parce que les textes le prévoyaient. Oui. Et donc, la manière d'accession au pouvoir du président Kabila, est-ce que cette manière-là fait de lui éligible aux conditions de la loi? Est-ce que ça n'a pas été corrigé en 2006? C'est ça le problème. Mais regarde, on ne corrige pas comme ça. La loi, c'est un tout.
Tu comprends? La loi, c'est un tout. Est-ce que vous connaissez une disposition de cette loi qui dit que avoir été élu après avoir été nommé ou bien après avoir hérité le pouvoir? Ok. La loi dit seulement que vous avez été aux élections. Il est allé aux élections. Les bases, en droit, quand les prémices sont fausses, vous ne pouvez pas avoir une bonne conclusion. C'est-à-dire qu'au milieu de son pouvoir, il a été quand même aux élections. Oui. Mais comment il a accédé à ses pouvoirs? Ça relève de la dialectique purement juridique, pas du juridisme aveugle. Okay. Comment il a fini? Bon, ça c'est peut-être discutable, on peut dire. Mais il y a eu les 2 ans de tâtonnement organisés par les menuiseries des acteurs politiques. Il est sorti de la manière que nous connaissons. Peut-être que de ce côté-là, ça peut lui profiter. Mais à l'entrée, je ne pense pas qu'il soit concerné par cette loi. Okay, alors... Et donc, du point de vue du statut qu'il va acquérir, c'est que, quel que soit le statut, si tu es interpellé par la justice de ton pays, avec le statut de renseignant, tu viendras. Maintenant, si au cours du procès, la justice estime que tu dois changer de statut, parce que c'est ça aussi le droit pénal, tu peux quitter le statut de renseignant vers celui... À tout moment, en tout cas. À tout moment. Ok. Mais pour ce genre de crime, je crois que l'histoire nous pardonnera, il n'y aura pas de statut. S'il est avéré que tu es soit artisan, soit commanditaire, soit ceci, de la mort de Mouzé, quels que soient les rapports qu'il voudrait. En ce moment, on ne pose pas la question, oh non, il a tué son père, ou bien il a tué... Ça, c'est des questions que vous me posez. Oui. Je réponds aux questions en disant, si c'est le scénario que vous me définissez, à s'avère aller dans ce sens, eh bien, il répondra de la justice de son pays. Et ça ne sera pas le fait d'avoir tué son père, mais plutôt assassiner un chef d'État. C'est ça, on va dire. C'est clair. Un coup d'État. C'est clair. Alors, Laurent, mais dans ce cas-là, le FCC, vous le mettez où? On est toujours dans le même scénario. On le met où? Non. Parce qu'il y a des généraux qui ont été finalement fidèles à ce monsieur dont on parle. Comment ça va se passer? Non. Est-ce que ça sera finalement pas la débandade? Christian, il ne faut pas réfléchir avec les passés. Sinon, vous déconstruisez le futur. Vous pensez que le fait d'être général signifie que vous avez, vous, à vous seul, un Congolais, un matin, on prend le grade, on vous met sur les épaules. Donc, vous avez le destin d'un pays en main. Non! Mais les généraux sont puissants. Il paraîtrait que Katumbi a fouillé un pour aller jusqu'à Kabouchoué, Kachoué. Non, mais c'est ça la faiblesse de notre État. Katumbi était menacé. Mais justement. La dernière fois que Katumbi voulait marcher, il était prévu qu'on tue des gens et qu'on mette sur son quota, parce qu'aujourd'hui, personne n'amènera l'argument. Nous connaissons tous les laboratoires qui veulent que, même en 2023, Katumbi veut postuler, on va lui brandir ceci, un peu comme on l'a fait en 2018 avec, Bemba. Avec Jean-Pierre Bemba, où vous avez vu des professeurs dire un jour que la subornation des témoins en droit positif congolais vaut la corruption. C'est aberrant, ça reste comme des monuments, des monuments de mensonges véridiques. Ok? Et donc, je rentre pour dire, il n'y a aucun général aujourd'hui qui est prêt à faire là. Il n'y a personne qui est fort dans notre armée. Il y a des efforts qui sont fournis, et je salue ici le travail qui est fait par le général John Toumba, le chef de la maison militaire, parce que on a vu que tous les généraux sont alignés. John Toumba a créé ce couloir de discussion avec tout militaire, au point que les militaires ont compris que vous avez prêté serment sous le drapeau, pas parce que vous devez rendre service à un individu, mais vous rendez service à la nation. Mais bon, si nous parlons des militaires, si nous avons des militaires aussi forts, mais Christian, toi, tu as été à Béni, tu sais, j'ai pleuré. À la maison, j'ai une télé smart avec Internet. Je regarde difficilement Canal Plus. J'ai regardé une de tes émissions. Et là, je profite de l'occasion pour saluer ton passage par Mbandaka. J'ai vu comment tu donnais 3 pagnes à des mamans, et je voyais comment elles pleuraient de joie. J'ai regretté le fait que tu ne m'aies pas dit que tu partais. Il est possible, même avec notre modeste vie d'avocat, d'envoyer à nos mamans là, qui n'ont pas peut-être démérité, qui n'ont pas joué à une élection pour vivre à Mbandaka sous cette misère, que tous nous puissions faire quelque chose. Ça m'a interpellé en disant, je vais aussi aller à Katakom peut-être pour faire quelque chose. Il faut le faire. Et je t'ai vu, toi, pour revenir sur notre débat à Béni. Tu posais la question sur la mort de Mamadou.
Est-ce que tu vois de la... Il est encore bien de prendre une balle sur la tête et mourir. Est-ce que tu vois comment nos frères meurent étranglés à Béni? Je vois toujours nos frères qui nous insultent toujours de la diaspora. Bah, Congolais à Zoba, Bolongola, bah, occupant. Mais je l'ai toujours dit. Non, mais c'est bien. Mais venez à Kinshasa. Venez à Kinshasa. Prenez votre voiture comme moi au volant. Et arrivez chez Christian et parlez. Et sortez, partez. Oubliez même, on prend l'avion, allez à Béni. Et prendre l'avion, aller à Béni et interroger celui qui a vu. Là, on a tiré sur Mamadou à 20 mètres. Quel est ce sacrifice? Mais au lieu de nous encourager, vous nous insultez. C'est ça les Congolais, au fait. Il aura un yen banal qui s'en va au Vandinien. Quelqu'un m'a dit, moi, à tout, mais qu'on comme qu'on vantait ma tata. Et un autre motard est parti, il a giflé. J'étais avec toi. Alors, je suis parti vers le motard qui a giflé, celui qui m'a insulté. J'ai dit non, non. Des gens comme ça, il y en a nombreux. Même en cravate, il ne faut pas gifler, ils vont comprendre. Alors, pas que pour dire que s'il y a des généraux forts qui aillent à Béni, qui nous montrent qu'on peut arrêter. Mais dans cette histoire de nos frères qui meurent à Béni, c'est d'abord des généraux affairistes. Mais Kefachi n'est pas en train de contrôler, on dirait. Non, non. Il ne maîtrise pas la situation. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, je dois avouer, Fachi n'a pas la maîtrise et la sécurité de l'Est. Et ça, c'est un challenge parce que moi, je dis, ça ne sert à rien qu'il y ait Union Sacrée. Ça ne sert à rien qu'on mange nous, qu'on roule carrosse, qu'on fête à Kinshasa, qu'on puisse embellir le boulevard alors qu'un Congolais est en train d'être étranglé chaque 48 heures, Christian. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter ça? Katumbi a haussé le ton, Bemba a haussé le ton, mais est-ce que ça suffit, Laurent? Non, mais que voulez-vous? À part haussé le ton, Katumbi a quel moyen? Okay? Les moyens financiers, il en fait. C'est là où il peut aider, il aide. S'il trouve un cas comme ça, humanitaire, il fait. Mais ça ne peut se résoudre des cas comme ça que par le pouvoir de l'État. Il n'y a qu'à l'État qu'on a confié la capacité à protéger ces genres de crimes, la population devant de telles atrocités. Mais moi, au niveau où j'interpelle le président, c'est de dire, monsieur le président, est-ce que nous sommes incapables de protéger notre territoire? De temps en temps, on entend citer certains chefs d'État qui sont autour de nous. Monsieur le président, pourquoi vous n'instaurez pas qu'à chaque 18 ans, il y ait une école de guerre où un Congolais va apprendre à tirer? Comment nous sommes 80 millions, mais nous sommes attaqués par des petits pays qui ont 15, 5 millions, 10 millions. Nous pouvons alors sacrifier 20 millions contre 10 millions de l'autre côté, en vue que ceux qui restent vivent en paix. On en a marre de voir nos frères étranglés, monsieur le président. On en a marre de savoir qu'on a des odieux, de dire, on est en train de nous tuer, monsieur le président. Que faites-vous des militaires qui sont à côté de vous? Que font les immeubles des militaires sur le boulevard? Que font les militaires dans des bars avec des armes, monsieur le président? Que font pourquoi nous mourons, monsieur le président? Nous avons tout. Pourquoi vous ne dites rien? C'est à vous qu'on a donné le pouvoir de dire quelque chose, monsieur le président. Qu'est-ce que nous allons dire devant l'histoire? Vous êtes quand même le fils de l'État de ce que dit, monsieur le président. Christian, tu sais, excuse-moi. J'étais hors de moi, mais je me dis, ce pays un jour aura la capacité que chaque Congolais, dans sa capacité à travailler pour ce pays, va faire le mieux. Et je te dis que je compte un jour que dans une alchimie politique, que le président te donne une portion de pouvoir. Parce que les gens blaguent. On a mis des ministres de défense, des aventuriers qui vendent des armes, non, qui se tapent l'argent pour aller acheter des armes. Le jour où vous avez un garçon comme Laurent Onyema, ministre de la Défense, le camp Kokolo d'abord va être rasé. Toutes les filles qui font la pute dans les rayons, ce sont les filles de camp Kokolo. On va les amener en Bakana, on va construire des maisons. Pas avec Jamal. On va construire des maisons avec la main d'œuvre locale. Il y en a et c'est possible. D'abord, un militaire peut se construire à lui-même sa maison. Et je vais aller m'installer à Béni avec tous les généraux. Si je vois d'où vient la balle, du Rwanda, de l'Ouganda, la même minute, je tire. La même chose, immédiatement. Il manque de patriotes. Il manque de garçons sérieux. Mais le chef de l'État avait promis d'installer les QG. Je te dis que. Mais ça fait plusieurs mois. Je te dis qu'il manque dans ce pays des valeurs. Et il y en a. C'est seulement, on n'est pas au bon moment, on n'est pas au bon endroit. Le jour où l'histoire nous responsabilisera, ça va se réparer. Merci beaucoup Laurent Onyemba, c'était un grand honneur pour moi de te recevoir, de parler
de la politique et surtout de l'avenir de notre pays, parce qu'il est important d'en parler. Mais la blague que tu me faisais l'autre fois, que il faut pas... Les insultes que tu reçois, nous le recevons aussi. Des noms qu'on nous colle, ainsi de suite. Mais à un moment donné, on se dit, mais est-ce que les Congolais comprennent le travail que les autres font sur le terrain? Christian, tu sais, je t'ai toujours appelé mon frère d'une autre mère. Tu connais la manière dont on s'est connu. Aujourd'hui, dans ma vie, si je pense à deux, trois personnes comme frères, hier, je disais à ma femme ça. J'ai dit, tu vois ce garçon? Et tu sais que j'aime toujours appeler garçon des gens qui me sont proches. Oui. C'est comme ça que vous m'avez entendu parler. Quand je vois des gens qui bouillonnent des valeurs, vous m'avez appelé le ministre Célé Yalabouli. On n'a pas beaucoup de garçons comme ça. C'est une expression, j'ai lu un peu quelque part dans le dictionnaire, quand on voit quelqu'un qui a des valeurs beaucoup, et parfois il ne faut pas vouloir que la personne vieillisse. C'est comme pour dire, Christian, il faut oublier les injures. Oui. Mais, même si c'est difficile, mais il faut oublier. Je suis rassuré. Tu sais, le jour où on a écrit Sankara, la vie de Sankara, je suis rassuré que Sankara ne savait pas ce qu'il était. Dernièrement, j'ai reçu dans mon cabinet le pasteur Roland Dallot et il a dit des choses sur moi. Il dit, je vois sur toi la tête des garçons qui font parler d'eux plusieurs générations après. Et ça m'a interpellé en me disant, ah bon, donc ça signifie qu'à chaque moment que je suis en train de parler avec quelqu'un, je dois savoir ce que je dis, qu'est-ce que j'ai fait. Ce pays a besoin de nous. Le pays a besoin d'un sang nouveau. Le pays a besoin de la valeur. Mais tout cela ne va pas venir du ciel. Dieu va utiliser certaines personnes pour que nous puissions accéder au moment de rendre service aux autres. Il n'y a pas de plus grand bonheur que celui de rendre service aux autres. Et c'est cela. C'est pourquoi je suis toujours fier de toi. Je te vois, on est dans la chaleur. Hein. Oui. Les gens ne le savent pas. Mais et puis les gens vont à la maison, les gens voient la beauté du décor ou bien la beauté du plateau. Mais nous sommes dans la chaleur. Tu dois prendre l'argent pour nourrir notre prince. Prendre son argent du lait pour mettre le carburant. Et je ne te donnerai pas un dollar à partir d'ici. C'est un sacrifice. Donc, c'est l'occasion de te dire aussi courage et félicitations. Je suppose que l'histoire te sera reconnaissante. Merci beaucoup, Laurent Onyemba, mesdames et messieurs. Mais tu ne m'as pas dit que maman Denise avait reçu mes salutations de la fois dernière. Si. Elle en est fière. Tu as entendu que je pose la question. Non, pas du tout. J'allais te dire en privé. Alors, messieurs et dames, merci beaucoup. Quand je reçois Laurent, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été un grand honneur pour moi. C'est un garçon très intelligent et très pertinent. C'est les types que nous, dont on a besoin dans ce pays, en fait. Moi, je crois qu'on peut composer autrement les choses. On se retrouve avec le même plaisir que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.
Nelani Sangha.